What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui on va donc parler à propos du jeu GTA V sur ce fameux DLC qui va arriver d'ici très peu de temps. On n'a pas encore de certitude au niveau de la date de sortie, sachant que Rockstar a prévenu que ce fameux DLC braquage arrivera avant la sortie de GTA V sur la plateforme PC. Donc ça nous laisse croire que on va normalement avoir ce DLC là avant le 24 mars. Donc voilà. Voilà, donc on va dire on a encore un petit peu de temps avant d'avoir ce DLC là avec des nouvelles informations. Moi je vais pas vraiment vous parler ou peut-être prochainement des 7 nouveaux véhicules. Enfin bref, il y en a pas mal qui en ont parlé je pense, des youtubeurs, donc il n'y a pas besoin. Moi je vais vous raconter, je vais vous dire des choses qui sont sorties, ces informations, il y a moins de 24 heures. Donc c'est la plupart ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de vous proposer des informations qui sont vraiment sorties, c'est tout frais et pas des choses qui sont sorties de plus de 48 heures, parce qu'il y aura peut-être d'autres youtubeurs qui en auront déjà parlé, des trucs comme ça. Et c'est vrai que pour vous, honnêtement, regarder deux fois la même chose, mais de deux youtubeurs différents, ça vaut pas vraiment le coup, ça je peux le comprendre. Avec la première information, c'est au niveau de la customisation des véhicules. Pour la couleur en fait des jantes, et bien en gros vous aurez une couleur supplémentaire, enfin une couleur plutôt qui sera la couleur chrome. Je vais vous afficher une image sur l'écran, comme ça vous allez vous donner à peu près une idée. Ça sera pour tous les véhicules disponibles qui seront possibles en fait à customiser au niveau des roues. Tous ces véhicules là auront ce petit bonus, c'est à dire la couleur chrome qui sera rajoutée donc au niveau de la roue. Donc voilà, c'est un petit truc supplémentaire que je vous dis. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de savoir ça? C'est un petit truc qui a été dit et que on risque de trouver en fait dans ce fameux DLC Heist. D'ailleurs au passage, hein, il n'y aura pas que des véhicules ou que des trucs comme ça, hein, il y aura un peu de la customisation, il y aura des petits trucs comme ça supplémentaires, avec aussi vraiment on va dire des scénarios différents pour les braquages. Je vous en avais déjà parlé au niveau des scénarios, et ça risque d'être vachement prometteur. Il y a aussi des codes en fait, codes sources qui ont été divulgués il y a moins de 24 heures avec une personne que je vais vous montrer le screen en fait sur l'écran. Donc ça tourne vachement en ce moment sur le net, à laquelle on peut en parler en fait, avec donc, des lignes de code pour des véhicules bien sûr différents. Avec le premier code qui est tout simplement, alors moi je vais pas vous dire ce qui est marqué avant, je vais juste vous citer le nom du véhicule approprié, le CG donc IOA BOAT, donc boat, qui sera tout simplement à mon avis un petit bateau qui sera disponible dans ce DLC là. Après le high carrier, en gros ça sera à mon avis l'avion de chasse, vous savez qui décolle, c'est à la verticale, voilà, hein, donc un avion de chasse qu'on peut retrouver aussi dans ce fameux trailer GTA V qu'on retrouve, donc assez impressionnant parce qu'il peut décoller à la verticale. Quelque chose qu'on attendait d'ailleurs depuis pas mal de temps. J'en avais parlé, je crois, même il y a bien plusieurs mois de cet avion-là, qui un avion qui peut décoller à la verticale et tout. Et bah voilà, on le retrouve normalement directement dans ce DLC-là. On aura aussi le SM Boat. Le SM Boat qui sera, alors il y a deux possibilités, soit ça va être un bateau qu'on ne connaît pas encore pour l'instant, une sorte de surprise, soit ça peut être le Dignity qui est en fait le yacht qu'on retrouve et bien dans GTA V dans le mode histoire et qu'on ne peut pas retrouver dans le mode online dans le mode histoire et pas dans le mode libre, je crois pas, non on peut pas le retrouver dans le mode libre. Donc c'est ce fameux gros bateau qu'on peut retrouver et ça risque d'être aussi là assez intéressant déjà de le retrouver en ligne, et puis avec en plus de ça des petites interactions supplémentaires, parce que forcément tout ce qui va être les braquages et tout, ça va se dérouler on va dire dans plusieurs endroits différents, parce que je vous en avais parlé, ça peut être dans des entrepôts normalement, dans des endroits comme ça, mais aussi sur ce bateau là, avec chaque personne auront leur propre objectif, hein, et après bien sûr à la fin il va falloir partager la somme à son équipe. Avec aussi donc un autre véhicule qui s'appelle CS307 MP Gates. Ça pour l'instant j'ai aucune idée. Si vous avez des idées là-dessus, proposez-les-moi dans la barre des commentaires. Au passage j'essaie de répondre maintenant à tous mes commentaires. Voilà, c'est un effort que je vous fais parce que eh bien honnêtement ça me fait plaisir des fois d'avoir des super bons commentaires et tout. Et voilà, ça me motive un peu de répondre à tout le monde, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui commente mes vidéos. Donc voilà, ça me laisse largement le temps de vous y répondre. Avec le Hey Yacht, le yacht donc Heist,
qui peut être alors soit le Dignity, soit ça peut être une autre surprise, un autre yacht qu'on peut retrouver, je sais pas aussi, c'est ce fameux, je crois que c'était un porte-avions dans le DLC trailer, non, c'était pas un truc comme ça qu'on avait retrouvé, ouais, je crois que c'était ça, d'ailleurs c'est là où en fait l'avion de chasse, le nouvel avion de chasse décollait à la verticale, donc c'était, même moi honnêtement ce trailer je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai regardé tout à l'heure encore, et j'ai beaucoup aimé ce trailer, avec, on peut voir vachement des grosses nouveautés dedans, moi voilà, j'essaie de vous donner un peu des informations qui ne sont pas trop parlées en ce moment, comme ça peut vous donner des idées encore avec certaines choses. Moi honnêtement je continue avec mon idée, je tenais à vous préciser, avec les lunettes infrarouges, parce que dans une petite séquence du trailer on peut voir quelqu'un avec des lunettes infrarouges, en gros il peut voir à travers la nuit, dans le noir en fait, grâce à ces lunettes là, et je pense que ça peut être disponible honnêtement dans ce DLC, faire des braquages et tout, et enfin des braquages, des hold-up plutôt, et bah carrément rentrer dans des endroits où c'est très obscur, et puis tout d'un coup hop, vous mettez vos lunettes infrarouges et comme ça vous voyez à travers le noir. Je pense que ça peut être des petites choses, mais qui peuvent vraiment donner un énorme plaisir au niveau du jeu. Voilà. Merci pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. De la première information au niveau de la customisation des véhicules. Et de cette deuxième information avec ce leak qui a été donné avec apparemment soi-disant le code source. Avec tous ces, on va dire, nouveaux véhicules qui risquent d'apparaître, dont certains véhicules que pour l'instant je n'ai aucune idée, avec aussi cette dernière information, pour moi à mon avis devrait avoir les lunettes infrarouges. Voilà, merci encore pour tous les gens, excusez-moi, et puis je vous dis à la prochaine, peace out.